Et le vidéo gagnant de cette semaine à Vidéo Fou 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 est la course à obstacles de la bête sauvage. Revoyons ensemble le parcours de l'animal. D'abord, le slalom de bière. Justement, vaut mieux ne pas avoir un coup dans le museau. C'est vraiment pas la poubelle cuisine du monde. Il ne manque que les nids de poulet, on se croirait à Montréal. Pitou se mérite la médaille d'os. Tu t'as fait gagner 1000$, c'était un bon chien. Il est tellement bien dressé, on dirait qu'il est passé par cet orgue à café. Ah. Comment t'as fait pour y faire faire ça? Ah, ben ça, c'est notre secret. Il n'y a pas de secret là, il y avait de la bière dans le bol. Son moudier, il grimperait, il mène ailleurs pour me gager de bière. Qu'est-ce que tu veux, c'était un bougon? Il fait partie de la famille. Hey! Appelle la lettre! Oh! Hey, dodo, qu'est-ce que tu gosses là? Oh, ça file pas? Ouais. Je pense que ton gâteau d'hier au soir, il y a de la misère à passer. D'habitude, c'est la fille qui sort du gâteau, pas le gâteau qui sort de la fille. Oh non, gars, qu'est-ce que t'es joke plate, là? Ben, il a encore vomi dans mes souliers. Hein? Ben! Viens manger. C'est de la belle pizza frette comme t'aimes. Oh, papa a oublié de te donner sa bière. Oh, mon Dieu. Oh, viens manger. Viens. Viens. Viens manger, manger. Hein? Viens, viens. Ça fait le pot, là, lui. Là. Allez, viens dans mon chien. T'amener chez le docteur. Puis on va te faire réparer. Papa aussi, faudra le faire arranger. Votre chien fait une cirrhose du foie. Vous allez rire, mais votre chien a tous les symptômes d'un alcoolique. Bizarre, ça. Évidemment, vous donnez pas d'alcool à votre chien. Hein? Vous donnez pas d'alcool à votre chien. Oh, vraiment très peu. Et vraiment très peu, ça veut dire combien? Je sais pas, moi, 2-3 billets par jour, puis un petit shooter de fort les jours de fête, mais jamais bien plus que ça. Hein? Vous niaisez. Vraiment très peu. Réalisez-vous, M. Bougon, que donner 2 bières par jour à un petit chien de 7 livres, ce serait l'équivalent pour vous de boire 30 bières par jour? Il n'y a rien là, je vois pas le problème, moi. Écoutez, M. Bougon, c'est très sérieux. Faut absolument que vous arrêtiez de donner de la bière à Ben, sinon il va mourir. Vous m'entendez? Plus de bière pour Ben de la Den. Faut y expliquer ça à lui, Esther. L'acide gastrique, ça attaque le cuir. Hein? Tabarnak. On dirait qu'il y a quelque chose qui te tracasse, fille. Ouais. Un tracassage en forme de fœtus. Tu comprends pas ça? T'es sûr qu'en soignant pas ma chlamydia, je tomberais jamais enceinte, moi? C'est la seule affaire que je me rappelle dans mon secondaire. La chlamydia, ça reste terrible. T'es bien la seule fille au monde qui se sert du même TS comme moyen de contraception. C'est qui le père? C'est-tu, moi?
fausse nouvelle. Tu sais, les terres agricoles qu'on avait achetées, là, je viens d'en vendre à moitié à des membres du Parti libéral. On va être désolés, ça sera pas bien long. Parfait. Puis l'autre nouvelle, mais... Vas-y, de nous dire. Je suis en ballonne. Parfait, ça. Ben est alcoolique. Quoi? Ben Laden, mon chien. Il peut plus boire sans ça, il va mourir. C'est ça que m'a dit le vétérinaire. Je te parle de ta fille qui est enceinte, puis tu me parles de ton calice de chien? Ben, mon calice de chien, comme tu dis, c'est le fils que j'ai jamais eu. Puis Julien, qu'est-ce que ça en fait? Ouais! Julien, ben, c'est le fils que j'ai eu, puis mon chien, c'est le fils que j'ai jamais eu. Ben, ton fils, c'est le calice qui demande la porte, là. Non. Là. Je sais que c'est dur, mais tu peux plus boire. Vu que t'as un fiétus dans le ventre, ça serait peut-être mieux si tu boiras pas de bière. Par rapport à quoi? Mais par rapport au trouble, ça peut faire au bébé. Moi, quand j'étais enceinte, je buvais. OK. Puis quel trouble ça peut donner au bébé? Paraît que ça peut donner des difficultés d'apprentissage. Hey, m'a voulu une joke, OK? Un gars! Ça peut donner des troubles de mémoire. Sur une moto. C'est quoi la première affaire qu'il faut faire? Des fois, ça peut donner des déficiences intellectuelles. Et... ça peut donner une incapacité à gérer sa colère. Ta petite pelote sale! Ça foire, ça défoire! Je suis capable, je te dis! Anyway, moi, je m'en sers que je me fais avorter, fait que... Il n'est pas question qu'elle m'assassine mon petit-fils ou ma petite-fille. Avorter, Rita, c'est pas assassiner. C'est devancer l'inévitable. Hey, le gros. Là, il y a Dodo qui pense à l'avortement. Puis? C'est ta fille? Ben moi, je suis pro au choix, puis mon choix, c'est de pas m'en mêler. J'aimerais ça que tu y parles. Moi, je me tape, Junior. Toi, tu gères ta fille à chacun son champ de compétences. C'est-tu clair? En attendant, je m'occupe de mon chien. Christy, tu t'as fait-tu exprès? Hey, là, le gros, là! C'est lui ou c'est moi? Allez, gars, règle son problème. Dolores, je peux-tu te parler? Ça a bien l'air. Tu sais, dans la famille, tout le monde est quasiment libre. Fait que si tu veux te faire avorter, il n'y a personne pour te pitcher des roches. Sauf que j'aimerais ça que tu y réfléchisses. Pourquoi? J'ai pas réfléchi en le faisant. On sait pas. Peut-être que tu portes en toi un Mozart. Un quoi? Mozart, le compositeur. C'était-tu un petit Mozart? Un instant. Ouais, encore un maudit Mozart. On dit un Mozart. Ça peut être un grand sportif. Puis? Ouais. Ça a bien de l'air qu'on aurait eu un autre Guy Lafleur. Ah, fait que ça donne pas trop le goût d'avorter d'un joueur de piano.
Tu sais, tu peux aussi le garder puis le donner en adoption. Ben oui, pour qu'il se retrouve dans un asti de famille de fuckés. Non, merci. À moins que t'appelles au CLSC pour voir un psy, pour être sûr que tu vas prendre la bonne décision. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait pour parler à un psy d'avortement, là? Ben, la liste d'attente, elle mesure 2 ans. De toute façon, l'important, c'est que tu y penses comme il faut. OK. Ça te décroche un rêve. Ça te déchire la veuve aussi. Ah ben, curé! Excuse-moi, Rita, je te trouvais pas. Mais là, je m'attendais pas de voir ici, moi, là. C'est toute une surprise, ça, là. Ah, c'est vrai, c'est par hasard. Bon, comme ça, tu veux tuer ton enfant. Allô? Sais-tu ce qu'a dit, ben, Teresa? Elle dit que si une mère tue son propre enfant, faut pas s'étonner que ça aille mal. Anyway, moi, mon enfant, il vit même pas encore. Fait que... Tu te trompes en tabarnak, Dolores. La vie commence pas à l'accouchement. Il y a pas un début de vie. Il y a la vie d'un homme et puis d'une femme qui, en s'unissant, en forme une troisième. Hey! C'est l'acteur Mel Gibson, là. Lui, il est contre l'avortement. Ah ouais? Oh, Mel Gibson. Benoît XVI aussi est contre. Ah ouais, le nouveau pape qui a les yeux de poisson mort, lui m'a dit c'est bien rare, me crosse en face à lui. Ah ouais? Attends. Non, 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 Ben, pas de bière pour toi. Oh, il est méchant, il est méchant. Ouh. Qu'est-ce qu'il va faire, le gros chien, si je donne pas de bière? Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Le cœur bat après 3 semaines. Après 8 semaines, tous les morceaux sont là. Mais c'est vrai que t'as quand même encore le droit d'assassiner la chair de ta chair, même si l'Église est contre l'avortement. Ah, oh, mais quand même, en Afrique, quand ils ont 10 enfants puis rien pour les nourrir, l'avortement, c'est quand même pas un mal. Le problème en Afrique, c'est pas les enfants. Ça mange quasiment pas un enfant africain. Le problème, c'est les adultes. Une chance, les Africains, c'est bête à dire, mais ils sont pas bien s'ils sont pas en train de s'entretuer. Ça enlève du monde autour de l'assiette. Ah, t'es con. Les enfants. Tu sais, Dolores, le bon Dieu sait que t'as honte, mais il t'aime. Puis il aime déjà, ce bébé-là. C'est déjà un enfant du Christ. C'est bien un enfant du Christ. Cool. Le changement des maudits Mozart. Le Christ, il l'aime tant que ça, mon enfant, moi, il laissait à la garde. Puis c'est un futur contribuable que tu vas tuer. Pense-y, tu sais, curé. À un moment donné, un gosse tanne. Ça va en prendre des Québécois pour payer ma retraite dans le Sud, là. Quoi? Pense-y. As-tu déjà touché à ça, le corps du Christ? Paul, tu sais que Rita faisait rencontrer le curé à Dolores? Oui, curé. J'espère que l'enseignement papal va toucher une corde sensible à notre dodo. Les enseignements de J.P. 2, le momifié?
C'était le temps qu'il lève les vies. Mais voyons, Paul, tu peux pas parler du pape de même. Il y a des millions d'individus sur Terre qui suivent son enseignement. Justement, il y a des millions de personnes qui suivent ce que tu dis. Tu t'arranges pas de dire des niaiseries. Quelle niaiserie? Écoute, contraception, c'est de la merde. Les femmes, c'est de la merde. Les tapettes, c'est de la merde. Ah non, 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 mais ça, c'est pas la faute du pape. C'est dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a dit, le grand Christ? Hein? Il a dit de s'aimer les uns les autres. Il a pas dit de s'abrutir les uns les autres. Tant qu'à ça. Ben, Paul! Qu'est-ce que tu veux? C'est normal. Hein? Tu sais, quelqu'un qui arrête de boire, là, il jette corps et âme dans d'autres choses. Il y en a que c'est le sport, le travail, la religion. Lui, qu'est-ce que tu veux, c'est le sexe. Un bon steak, mon Ben! Hein? Je vais manger après ça. Tu sais, Dodo, c'est à toi la décision finale. Hein? Puis je vais pas t'influencer. Mais si tu m'empêches de devenir grand-mère, je te le pardonnerai jamais. Mais tu veux pas m'influencer. Non. T'es libre. C'est à toi la décision. Tu sais, maman, j'en ai jamais voulu des enfants. C'est cave, des enfants! Veux-tu te dire un secret? C'est cave des mamans. Parce que moi non plus, j'en voulais pas d'enfant. Puis veux-tu que je te dise? T'es la plus belle affaire que j'ai jamais eue dans toute ma vie. Ah ouais. Papa? Là, là, tu vas pas demander ça à toutes mes amies? C'est qui a des enfants? Mais oui, avant d'avoir un bébé, il faudrait bien que je finisse mes études, moi, avec. Ta cou, il te l'aspire pas tout, le bébé. Ta cou, au bout de 9 mois, t'accouches d'un bras. Pareil, c'est déjà arrivé. Ce soir, on va commencer en soulignant les 8 ans de Pierre. Bravo, Pierre. Bravo, Pierre. 8 ans. Mon nom est Pierre et... je suis alcoolique. Bonjour, Pierre. Oui, mais tu sais, c'est tough encore. Hein. Tu sais, ça fait 8 ans que je bois plus. Là. Fait que ça fait 8 ans que je réalise tous les jours que ma job est plate, mes enfants sont au cave, puis que ma femme est laide. On dira ce qu'on voudra, mais au niveau du maquillage puis des cosmétiques, ils n'ont pas encore inventé mieux que l'alcool. Ben, maman. Non, un petit pincement de rien. À cause du violon, j'imagine. Ah non, laisse faire. Bonjour, mon nom est Paul. Je ne suis pas alcoolique. Bonjour. Souvent, on nie son problème, c'est correct. Ah non, 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 moi, je suis venu pour mon chien. Je suis venu chercher des trucs pour qu'il arrête de boire. Oui, mais toi, Paul, t'as pas de problème d'alcool? Pas en tout. Pas de l'alcool qui est dans ta gourde? Non, c'est de la bière. Oh, la bière, on compte ça comme de l'alcool. Ah, ben, c'est correct, ça. Bien correct. Comme je disais, je suis venu pour mon chien. Paul, la première étape vers la guérison, c'est d'admettre qu'on a un problème. Écoute-moi bien, Big. Quand je regarde la bunch de losers que t'as ici, là, je me dis que si c'est ça que ça fait d'arrêter de boire, j'aime mieux garder ma gourde. Ah,
correct? On va te dire ça au bout de 9 mois. J'ai repensé à mon affaire, maman. Mais t'es aussi humain de jamais me laisser tout seul avec le petit présent. Inquiète-toi pas. Inquiète, maman. Je vois en haut, mon Ben. Voyons, obsédé. En tout cas, si tu pognes des beaux enfants comme les miens, tu vas être la femme la plus heureuse au monde. On va y faire une place, peine grosse. Ben non. Voilà, c'est cool, là, mais. J'ai peut-être manqué un bout, là, mais. Qu'est-ce qui se passe? Ta sœur attend un enfant! Un enfant de qui? On le sait pas. Tu veux déjà être amené à la clinique? J'ignore. On le. Ok, là, on va voir.